Déplacement environnemental dans scienceetvie.com du 30 mai 2024. El Bosque, un village sur la côte atlantique au sud-ouest du Mexique dans l'état de Tabasco, a subi la montée des eaux au point que les 700 habitants ont été contraints de partir. Les tempêtes hivernales combinées à la montée rapide des eaux ont détruit de nombreuses habitations. Plus de 500 mètres de terre ont disparu depuis 2005. Le climat étant plus chaud, les tempêtes se multiplient. Ce déplacement environnemental s'ajoute aux autres. Selon Greenpeace, plus de 30 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de quitter leur domicile à cause des changements climatiques en 2022. D'après le GIEC, depuis 2008, une moyenne annuelle de plus de 20 millions de personnes a été déplacée par des phénomènes météorologiques extrêmes. Paradoxalement, le Mexique prévoit d'ouvrir une nouvelle raffinerie de pétrole en 2025 à seulement 80 km d'El Bosque. Quand les singes tombent des arbres dans reporter.net du 22 mai 2024. Toujours au Mexique, toujours dans l'état de Tabasco, selon The Guardian, la chaleur fut telle en mai que des singes hurleurs sont tombés des arbres. 83 primates ont été retrouvés morts. Les singes morts pourraient se compter par centaines, selon les experts vétérinaires. Ceux qui ont pu être secourus par des habitants souffraient de fièvre et de déshydratation. La chaleur, couplée à la sécheresse, aux feux de forêt et à la déforestation, diminue les ressources en eau et en fruits des singes. Les singes hurleurs sont une espèce sentinelle. Le fait qu'ils souffrent autant nous dit quelque chose de ce qui est en train de se passer avec le changement climatique, déclare le biologiste Gilberto Pozzo. Depuis le mois de mars, la chaleur a coûté la vie à au moins 26 personnes dans le pays, sous des températures de plus de 47 degrés pour les plus chaudes. Des maisons inassurables à l'horizon 2050 avec la crise climatique dans Novetic.fr du 24 mai 2024. Selon un rapport de l'autorité de contrôle et de résolution prudentielle qui supervise les banques et les assurances, plus de 7 maisons sur 100 auraient du mal à s'assurer d'ici 2050 dans les Côtes d'Armor en Bretagne en raison de leur exposition au changement climatique. Deux raisons sont invoquées. Soit l'assuré estime qu'il ne peut plus assurer un bien compte tenu de l'augmentation des primes induites par le risque climatique. Soit l'assureur estime que l'augmentation du coût et de la fréquence des événements climatiques extrêmes rend l'assurance de certains biens dans certaines régions inassurable. La Bretagne Nord ainsi que les côtes méditerranéennes sont les territoires où les seuils de résiliation de contrats d'assurance sont les plus élevés. En outre, le rapport montre sans surprise une aggravation de la sinistralité totale. Elle serait en hausse de 105% en moyenne en 2050 par rapport à 2022. Les prix augmenteraient en moyenne de 158% sur la période et elles pourraient même tripler dans certaines régions particulièrement exposées, le long du littoral notamment. Plus généralement, entre 1000 et 2000 communes en France se trouvaient déjà privées d'assurance au 1er janvier 2024, à l'instar des Sables d'Olonne. Pollen et dérèglement climatique dans naturascience.com du 3 mai 2024. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, près d'un adulte sur trois est allergique au pollen aujourd'hui en France. D'après le Commissariat général au développement durable, ce chiffre a été multiplié par 3 ces 25 dernières années. Dans leur rapport de surveillance annuelle des pollens et des moisissures dans l'air ambiant en France, publié ce 2 mai 2024, le Réseau national de surveillance aérobiologique, la Fédération Atmo-France regroupant les associations agréées de la qualité de l'air et l'Association des pollinariums sentinelles de France alerte sur les conséquences du dérèglement climatique sur les pollinoses. D'après les trois associations, l'augmentation du nombre de pollinoses et de leur sévérité est liée au dérèglement climatique. Le rythme immuable de la pollinisation est bouleversé par les activités humaines, écrit ACFMO France dans un communiqué. Ainsi, le dérèglement climatique influence la production de pollen, notamment en allongeant la saison pollinique et en modifiant la répartition spatiale, explique le rapport. Île-de-France, 9,7 millions de personnes subissent une pollution excessive dans le point.fr du 28 mai 2024. Le mardi 28 mai 2024, Air Parif et Bruit Parif, les deux organismes qui analysent la qualité de l'air et du bruit en Île-de-France, ont publié leur rapport. Plus de 9,6 millions d'habitants d'Île-de-France, c'est-à-dire 80% de la population de la région, sont confrontés à des niveaux de pollution qui dépassent les seuils maximaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. 86% des Franciliens, victimes d'une exposition très dégradée au bruit dans les transports, occasionnés par les grands axes routiers, aéroports, voies ferrées, à la pollution de l'air ou aux deux, vivent dans la métropole de Grand Paris. Ce sont 487 communes des 1267, soit 38% qui composent la région, qui sont exposées aux deux pollutions conjointes. À Paris même, 14,9% des habitants respirent un air et évoluent dans un environnement sonore très dégradé. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.